J'espère que vous avez reconnu The Loner de Gary Moore. Alors nous les guitaristes, que nous soyons débutants, confirmés, experts, voire professionnels, on recherche tous une chose et une seule, c'est que nous soyons les meilleurs dans l'interprétation des titres que nous jouons. C'est tout l'intérêt de cette vidéo. Vous avez reconnu un mode leucrien à partir de la position de sol. Quand je fais une note, si je fais une note à la guitare, une note toute simple, là je suis en son clair, hein. Donc quand je fais une note toute simple comme ça, il ne se passe rien. Donc cette note, je vais avoir évidemment plusieurs manières de faire cette note. Je vais la faire toute simple. Je vais la faire très courte et je relâche. Je vais la faire durer en tenant mon doigt appuyé. Et puis, je vais pouvoir aussi, toujours avec mon doigt, pouvoir réaliser un vibrato horizontal. Ce qui va faire travailler cette note. Si je veux lui donner un peu plus d'effet, je vais faire un vibrato vertical. Je vais pouvoir aussi, pour faire ma note, faire un glissé, par exemple. Dans ce sens ou dans l'autre. Qui va me donner un effet différent. Donc vous avez vu là, j'ai fait glisser, vibrato. Mais je vais pouvoir l'étouffer aussi. Qui va me faire un autre effet. Je vais pouvoir la faire en harmonique. Voyez, depuis, je suis toujours sur la même note. Hein? En son clair, si on passe en son saturé, on va avoir aussi un autre aspect du jeu. Sol normal. Et on va regarder en travaillant sur l'enchaînement. Donc on va faire. En enchaînant les 4 sol mineurs, on va essayer d'enchaîner ça avec de l'expression. Hein? Donc là, on a bien compris avec cet exemple en saturé puis en son clair que pour donner de l'expression à un phrasé de guitare, eh bien, on peut utiliser différentes techniques. C'est bien le but de cette vidéo. On continue. Là, sur cette guitare, vous avez un accessoire donc, qui est le vibrato. Hein. Vibrato, c'est vraiment quelque chose qui est très pratique. Là, il s'agit d'un Floyd Rose qui est un vibrato vraiment... formidable, le seul problème c'est quand vous cassez une corde avec ce type de vibrato, ben vous êtes obligé de changer de guitare. Donc ça c'est à utiliser vraiment dans ce morceau, vous écouterez l'original si vous voulez, il l'utilise beaucoup. Hein. Donc, toujours pour revenir à l'exécution et surtout à l'interprétation de ce titre qui va donner cette expression que l'on recherche tant, vous avez évidemment... Pour les débutants, je le dis, des techniques de guitare, mais qui sont très simples, car sachez que même si vous débutez à la guitare, vous utilisez déjà des techniques de guitare sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir.
Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez... Là, vous utilisez déjà une technique, voyez. Puisque quand je tape avec mon doigt sur la corde, je fais la technique du hammer-on. Et si je relâche, je fais la technique du pull-off. Donc, ne vous laissez pas impressionner par des mots techniques. La technique, vous allez obligatoirement l'utiliser, même si vous êtes totalement débutant. Alors, bien sûr, dans votre interprétation, si vous avez beaucoup de techniques, on va dire que eh bien, vous aurez plus de possibilités de vous exprimer. Moi, je l'ai fait in context. Faisons-le maintenant en son clair pour voir si on peut donner de l'expression en jouant en son clair. Je crois que la réponse est oui. Même si ça ne rendra pas comme l'original, bien entendu, puisque l'original est en son saturé. Mais il faut bien comprendre que, une fois de plus, vous aurez intérêt à d'abord commencer le travail en son clair. Rien que sur cette phrase-là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux le faire étouffer. Je peux le faire en descendant, en laissant résonner, mais vous avez vu, c'est pas beau. Donc ça sera à moi de trouver vraiment. Donc quand vous allez faire votre bend, pensez bien à l'ajuster, parce que si vous tirez trop, vous voyez, vous êtes faux, et là c'est pas beau. Et également, vous avez vu, les cordes qui résonnent à côté, ça il faut éviter à tout prix. Donc essayez de soigner les deux. Donc là, ou bien, écoutez l'original car vous verrez, il utilise vraiment beaucoup de vibrato sur ce titre. Autre manière de jouer. Là, je n'ai pas touché le vibrato. Je refais cette autre manière, mais avec du vibrato. Vous voyez, là, j'en fais beaucoup trop. On va essayer de le refaire comme il faut, sans en mettre trop. Ça suffit largement. Et la deuxième fois, je pars en harmonique. Alors, l'harmonique, c'est vraiment, chez Gary Moore, quelque chose d'une utilisation courante, même inattendue, parfois, car il a tellement de volume de sortie que, bon, dès qu'il va à peine effleurer avec le doigt, ça part en, tout de suite. Donc, ça sera un petit peu plus compliqué à faire naturellement quand on a un petit niveau de sortie. Ça, il faut le savoir. Bon, j'espère que vous aurez pris conscience que, vraiment, l'interprétation... C'est vraiment dû uniquement à l'expression que vous donnerez à vos notes, à vos phrasés et globalement à votre exécution.